J'ai conçu cette caravane pour voyager en vélo camping avec mon vélo électrique parce que j'étais fatigué de devoir installer une tente tous les soirs en tournée. Je voulais une caravane cyclo-tractable assez petite pour être utilisée sur les routes, mais assez grande pour être confortable pour dormir avec tous mes équipements électriques et électroniques. Pour la route, elle devait être étroite, courte et basse, mais pour dormir, elle devait être large, longue et haute. Elle devait aussi être aussi légère que possible. J'ai commencé à penser au design il y a un an. Sa composition principale devait être en coroplast, car ce matériau est léger, solide, facile à utiliser et bon marché. J'ai réalisé une maquette en carton, puis construit une maquette à l'échelle à partir de pain, de carton et de charnières à piano. J'ai subi une chimiothérapie de février à juillet, ce qui m'a un peu ralenti, mais j'ai commencé à construire la caravane elle-même en juin 2018 et j'ai terminé hier, le 13 août. Le cadre est en érable et trois niveaux en pin, colle chaude et coroplast. Les trois niveaux sont articulés pour s'étendre vers le haut afin de créer une hauteur confortable. Un prolongement coulissant en coroplast au pied le rend plus long et une extension similaire sur le côté gauche le rend plus large de ce côté. Afin d'augmenter la largeur du côté droit, la porte se rabat vers le bas et s'ouvre sur un grand vestibule en nylon léger, enduit de polyuréthane de 70 deniers. Des centaines de vis ont été utilisées, des douzaines de tiges de colle chaude, des charnières de piano et des charnières en coroplast. Les roues, l'essieu et la flèche proviennent d'une remorque cargo Burley que j'ai achetée dans le but de construire la caravane. J'ai testé le campeur deux fois. La première fois, il y a 2 semaines, dans la cour de ma fille. J'ai découvert 11 défauts ou modifications à apporter. J'ai testé la version mise à jour il y a 3 jours chez mon ami Jim Burgess, qui habite à 23 km d'ici, à Chelsea, au Québec. Là, j'ai découvert 5 autres éléments qui nécessitent une correction et maintenant le campeur est prêt pour un long essai. Au départ, je prévoyais voyager d'Ottawa à Halifax en Nouvelle-Écosse, mais compte tenu des contraintes de temps et du fait que la chirurgienne qui a enlevé la moitié de mon gros intestin l'automne dernier m'a prévenu que j'entreprends trop un grand voyage, j'ai décidé de réduire la distance de moitié et de sélectionner une destination plus facile. Donc, dans un jour ou deux, je partirai d'Ottawa pour les chutes Niagara. Une préoccupation importante qui va m'accompagner, c'est que je voyagerai à l'aide d'une technologie non éprouvée. Je n'ai jamais construit ou voyagé avec une remorque de ce type. Beaucoup de choses pourraient mal tourner. Sa légèreté, par exemple, la rend fragile. Est-ce qu'une forte rafale de vent pendant que je soulève ou abaisse le capot arracherait le tout? Est-ce que le passage d'un routier 18 roues à grande vitesse le ferait chavirer? La languette en bois qui relie l'attache remorque se détacherait-elle? Est-ce que les charnières en coroplast vont durer le voyage? Les panneaux de paroi arrière articulés résisteront-ils aux ouvertures et fermetures fréquentes? Y a-t-il un risque de mise en portefeuille si je dois freiner brusquement dans les conditions de traction faibles? Les roues de 16 pouces résisteront-elles à la charge qu'elles transportent? Mon vélo électrique Bosch Cube sera-t-il capable de remorquer tout ce chargement sans s'endommager? Est-ce que l'imperméabilisation va résister après plusieurs pluies? Le capot pourra-t-il empêcher la pluie de pénétrer à l'intérieur lorsque je roule? Les enfants seront-ils tentés de visiter ma caravane quand je la laisserai sans surveillance dans un camping? Est-ce que je vais me tanner de vivre dans un espace aussi restreint? Ce sont toutes des questions sans réponse auxquelles seul le temps et l'expérimentation répondront. Je suis préparé pour le désastre. Si la remorque ou le vélo subit une panne ou que je ne peux pas réparer sur la route, ma fille ou mon fils viendra me sauver avec son SUV où que je sois. Les chutes Niagara sont seulement qu'à 600 km de chez moi, alors je ne serai jamais à plus d'une journée de route pour mon sauveteur. Je compte publier des vidéos du voyage sur YouTube et je vous invite à me suivre. Si vous souhaitez plus d'informations sur les vélos électriques ou sur mes livres, rendez-vous sur www.robertberriot.com.
Merci de votre attention.